Donc là, j'étale bien le tout dans le plat. J'essaye que ce soit bien homogène partout dans mon plat à gratin. Voilà ce que ça donne. Ce que ça donne, je suis très fière de mon gratin et là ça part au four jusqu'à que ça forme une jolie petite croûte de gruyère. Et donc.